Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate, parce que on se retrouve pour un live avec Nightmare qui doit être dans le coin sur du Secret of Mana. Donc voilà, ça fait un bout de temps qu'on n'y a pas joué et je ne vois même pas le chat. Ma connexion internet bug aujourd'hui. Attendez, j'attends que ça s'actualise. Hop. Voilà, je vous vois et je vois qu'il y a déjà un peu de monde. Merci à vous d'être là hein, dès le début du live. Donc Nightmare, on te voit. Tu as des boobs Bonsoir. ou quoi? ouais, ok, bon, pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Nightmare en mode boobs. Et mon émulateur ne répond pas, Nightmare. Idem chez moi. Ok, donc on va relancer. C'est pas grave. Le truc n'a pas dû aimer que je lance et que je recoupe les streams à l'infini. Parce que je fais pas mal de petits tests avec Nightmare. Pour Nightmare, faut qu'on aille sur un autre serveur. Attends, c'est fait, tout est fait. Ouais. Alors, est-ce que tu peux te mettre sur Emu Paradise Europe? Suis Du dessus. coup. Voilà, petit problème, mais rien de grave. Je cherche le jeu. Il est là. Hop, j'ai créé le salon. Voilà. Et donc on est parti. Je veux juste garder un œil sur mon OBS, qui n'est pas sur le bon écran. Et donc je salue tous ceux qui sont déjà présents. Donc il y a déjà Pumpkett, Arcane et Curiosity. Merci à vous d'être présents dès le début du live. Et donc, qu'est-ce qu'on devait faire exactement? On devait faire le temple du feu? C'est ça? C'est ça. D'accord. Et donc, tu sais dans quelle direction on doit aller? Ou pas du tout? Attends. Voilà. C'est en bas à gauche. En bas à gauche, ok. Donc, vous allez peut-être remarquer, j'ai rajouté un filtre graphique sur l'émulateur. Vous me direz si vous trouvez ça plus joli, si ça change rien pour vous ou si vous trouvez ça mieux. Par contre, ça lag un peu, non? Non, j'ai aucun problème de mon côté. D'accord, bon. Peut-être moi. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les gens. Moi, je me rétablis petit à petit de ma maladie, là. Je me soigne, on va dire, plutôt que d'attendre que ça passe. Parce que j'en ai un peu marre, ça fait bien 2 semaines que je suis malade. Et là c'est bon, on a pris des médocs et on se soigne. On se soigne, soigne, soigne. En route, mauvais D'ailleurs, stress. c'est la musique du temple de, enfin, de là où il y a la nana là. Oui, le temps de l'autre. Ouais, il se touche les boobs, c'est ça. Non, je pense que c'est juste le fait d'avoir mis des boobs. Donc là on est au temple là. Oui, c'est le temple. Pourquoi ça me dit quelque chose? On n'avait pas commencé à y aller dedans. Si, mais on a été Ah. coincé assez vite. Là, On parce avait été qu'on a. coincé. Oui, parce qu'il y avait une orbe qu'on ne pouvait pas activer puisqu'il fallait à Thanor. Ah d'accord. Par Ah contre, là. pourquoi on tue tout le monde là? Parce que tu t'es coincé au-dessus. D'accord. Et du Autant coup, pour moi. pour. On se casse. Mais non, mais arrêtez! Nightmare, ils font que de me taper. Sérieux, J'arrive même pas à bouger. sérieusement quoi. Non mais attends, laisse-moi mourir. Attends. Vas-y, brûle-les tous. Maintenant tu veux bouger là. Non, parce que je suis enflammé! Au secours! Il commence bien le live. C'est n'importe quoi. Excusez-moi encore une fois d'être Non, je suis une malade. mauvaise personne. C'est pas grave, on va y arriver. Ouais, je me casse moi! Et salut Orion TV qui n'est pas Orion le développeur du site. Ça, c'est un autre Orion. Je sais qui tu es. Bienvenue à toi, fan de Grandia.
Ça doit être le couloir principal. Ou ça pas. Doit être un couloir qu'on peut pas prendre. Mais c'est pas Life is Strange, non. Étant donné que moi j'ai arrêté de regarder les votes vers 19h30. Et il y avait Execo. Et donc j'ai dit bah les gens ils arrivent pas à se décider, donc je vais trancher. Et donc voilà. Elle est là la sphère là. Ah oui effectivement. Alors. Donc ouais j'ai tranché parce que ça faisait un moment qu'on avait pas fait du secret avec Nightmare. Visiblement, c'est pas ça Nightmare. Bon, attends. Je dois attendre. Parce qu'elle elle a ça me rappelle le temple de feu, du feu de Zelda. Twitch dit que... Life is Strange. Ah bah oui, parce que j'ai pas changé, je m'en fous de Twitch. Désolé, Twitch, voilà, comme tu peux voir sur le site, t'as plusieurs flux, donc je m'amuse pas à changer le nom des flux tous les jours, étant donné que je live tous les jours, pratiquement. Nightmare, vas-tu y arriver? J'aimerais bien, mais il faudrait que j'arrête, voilà, bon. Maintenant, on scanne. Scanne la boule et dis-moi quel sort c'est. Atanor fera réagir l'orbe. J'ai utilisé Atanor, donc l'orbe doit réagir. À mon avis, ça s'est passé au-dessus. Pourquoi on peut plus passer? Je sais pas. Sommes-nous bloqués dans la matrice? Pourquoi tu vas en haut? Y'a rien en haut. Faut aller là. Non, y'a rien ici aussi. Mais sommes-nous bloqués? Ça commence déjà bien. Hein. Je crois qu'on est dans la merde. Attends. Relance Atanor. Attends, j'essaie d'abord de me débarrasser des. Voilà, maintenant. Atanor. Explosion. Allez. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'avais bien utilisé Atanor sur elle au début. Hein. Putain. Mais pourquoi on est nul là? C'est pas possible. Je sais pas. On n'y est pas en fait. Ah, c'est bon, on y est. On va y arriver. Désolé, ça fait un moment qu'on n'a pas joué à... Ça fait une semaine et demie, deux semaines? Deux semaines. Donc voilà, on est un peu rouillé. Je vous avoue qu'on n'a pas fait de session d'entraînement juste avant le live. Ah, il y a une autre truc là. Si, on a fait des sessions d'entraînement sur... Oui, sur d'autres jeux, mais pas... D'autres jeux. Oui. On a joué un peu à Mario Kart. On a joué à Lilat Wars aussi à deux. On a joué à quoi d'autre? C'est tout, je crois. On a joué à Tic et Tac, mais très peu de temps. Le temps de tuer Nightmare. En plus, il faut bien trouver le bon sort. Mais ça a l'air d'être tout le temps boule de feu qu'il faut faire, en fait. Tout à l'heure, c'était explosion. D'accord. Allez, mourez! Je te suis hein, si tu veux aller là-haut. On y va. Allez, c'est tout. Mais on s'en fout. On s'en fout de l'argent. On est riche grâce à Nightmare. Bon, par contre, le chat, vous êtes là les gens ou ça freeze ou je sais pas. J'hésite à actualiser. Y a personne qui parle. D'accord. Par contre, les nuages, on peut les faire qu'à la magie. Hein. Ouais, mais on s'en fout. On s'en fout des nuages. Ah putain, labyrinthe. Punket, est-ce qu'il peut fête devant autant de... De boobs. Autant de boobs, ouais, c'est ça. Encore un coffre. Ah bon, c'est... C'était un coffre utile. C'est pour une sphère. Bah désolé, je touche, je tousse.
De là, je ne pensais pas que ça allait être aussi visible. De quoi, tes boobs? Ouais. Je pense qu'il faut aller en bas, là. Non? Ça ne l'est pas du tout, dit Punkette. Mmh. Je sais pas. Peut-être la caméra qui est trop basse chez moi. Ah, peut-être. Au niveau de la capture. Je vais essayer de voir ça si vous voulez les gens. Je sais pas. Quoique, en fait non, parce que si je monte trop ta caméra, en fait il va falloir que je te réduise ta taille en fait. Parce que là au niveau hauteur t'es pile poil comme il faut. Oh, un coffre qui marche, en général il y a des bons trucs dedans. Et là tu vois, je pense qu'en activant cet interrupteur, tu sais tout à l'heure on a voulu monter un truc là, et on ne pouvait pas. Et je pense que c'est ce truc là qu'on a ouvert. Et on s'en fout des monstres. Ouais, sauf qu'on a une IA très intelligente. Tant. Le nain. Le nain a un grief personnel vis-à-vis de... Vous avez tué ma famille. C'est pas vrai d'abord. On l'a mangé, c'est différent. Ouais, faut passer par en bas. Là, faut remonter, je pense. Ouais, et après, en fait, faut faire un L. Faut remonter ici. Crois ? Ouais, c'est ça. Bien vu, l'autiste. Oh putain. Et on brûle tous les trois en plus. Hein. La bande de bras cassés. La bande de bras cassés. Oui, oui, je sais, Orion. Je sais, je sais. Je t'ai accepté hein, sur FB. Ce viol de monstre. Allez les monstres. Bon, en fait, pourquoi on les... Je sais pas pourquoi on les tue. On a envie de se défouler. Je sais pas. Prenez ça. On en a marre. Tiens, prends le corps dans ta gueule. Non, ça marche pas comme ça. Chocolat, tu en as trop. Pourquoi on a trop de chocolat, Nightmare? C'est fait chier. Voilà. Tiens, le nain a besoin de soins aussi. Bah donnons-lui du soin. Bon, je vais me débarrasser d'une bonne fois pour toutes. Bon, c'est du feu, donc ça ne... Du feu, du contre... Sur le feu du feu, sur du feu, ça ne va pas. Par contre, t'en as attaqué qu'un là, non? Oui, effectivement. Ça n'a même pas attaqué en fait. Vas-y, on se casse. Foutu gnome! Tu nous emmerdes, le gnome. Pas attaqué, il va... En plus, pourquoi t'as été là, Nightmare? C'est un cul-de-sac. Cours, cours! Ils sont trois! Putain de merde! C'est pire que des Pokémon. Curiosity. Meurs! Souffre! Dégage! En plus, c'est au moment où il se multiplie, quoi. Enfin, il y a peut-être du chocolat dedans. Ah, voilà. J'ai rentabilisé mon objet. Ah non! Alors, qu'est-ce qu'on a activé? Ouais, vas-y, on passe, on s'en fout, YOLO. Donc, on est venu ici, on a débloqué ce chemin. Donc, jusqu'à là, ça va. Putain, je crois que Nightmare, dès que tu vois un monstre comme ça, tu les allumes à la glace. Franchement,
Ce sera plus rapide. Mourez! Bon, là, monte, vas-y, hop. Ouais. On n'a pas été à droite, si. Là, tu veux dire? Si, on a été ici. Mais en haut, là. On a été en haut? Je ne sais plus. Oui, il y avait un coffre. Qui contenait 1000 lucs. Effectivement. Bon, alors, je pense qu'on doit retourner là. Il doit y avoir un truc qu'on n'a pas fait. Une pièce qu'on n'a pas explorée, un truc du genre. Si on prenait à droite. Non, ça a pas l'air d'être ça. Non, là-bas, on y a déjà été. Il n'y a pas vraiment d'autre chemin, tu vois. On va retourner dans la pièce où on a activé le bidule, là. C'est en haut à gauche, je crois. C'était pas en bas... Enfin, le... Non, là, c'était la salle du coffre. D'accord. La salle du coffre de la sphère de la hache. Oh, le niveau en mode labyrinthe, quoi, c'est affreux. Ça me bourre le fion. Et même... Apparemment, Curiosity a des gros problèmes de connexion, je la vois, je l'ai vu se redéconnecter. Même mon GPS est super mal calibré, quoi. Je crois que c'est par là, ça me dit rien, cette zone. Ça dit quelque chose, toi? Oui, regarde. Là, on arrive... Ah oui. Mais on n'a pas été à droite tout à l'heure. Effectivement, on n'a pas été ici. Ah, le fouet. Il était gratuit, ce coup. Il n'a rien compris. En plus, il est même pas dans le même niveau que nous, quoi. Si je frappe, on sort contrebas. Oh là. T'as allumé la lumière d'un coup, là. Et que la lumière... Non, allez, allume le truc, là. À tous les coups, ça doit être encore à Tanor. Allez. T'as intérêt à avoir de la mana dans ce niveau. Tu disais? J'ai rien dit, moi. Fais gaffe, t'as plus beaucoup de vie. Alors... Effectivement, je vais en profiter pour lancer un soin sur tout le monde. Je pense que le mieux, c'est de la scanner. Voilà. Lol. Ah non, d'accord. On peut pas la scanner. Non? Faut pas qu'on monte tous les trois dessus? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a fait? Pourquoi ça a fait ça? On doit marcher entre les deux. D'accord. Ça pue le boss fight. Ouais. Oh, un taureau. Réflexe Final Fantasy. Scan! Ah, il donne beaucoup d'XP. Blablabla. Crains le vent. Alors. Bourrasque, ouais. Kianzan. Sauf que Krillin, on lance pas 3 là en même temps. Non, c'est plutôt C18 qui fait ça. Alors, on va essayer foudre. Ça lui a pas fait plus de dégâts que ça. Hein. Oh, il est vénère là. What, l'interface ne vient pas de bugger là? Non. Ouais, je l'ai battu. Pas besoin de. Toi, il est mort, tu continues à lui envoyer des Kienzan quoi. Il est pas encore assez mort. Laisse-moi le finir. Il est pas encore assez en morceaux. On peut pas encore le cuire.
Ouais. Donc on a ramassé deux sphères dans ce niveau. Donc ça c'est plutôt cool. Vous replacez la graine sur son autel. Je dois aligner l'épée sur la graine. Mon Dieu. Bah vas-y. Non, j'ai pas envie. Je ne veux pas restaurer l'épée de mana. Fin du jeu. Je suis caché. Vous ne me retrouverez jamais. Je Voilà suis la mieux rose. caché Voilà. de toi. Voilà, on est là. Je ne veux pas. Ce n'est pas ma destinée. Salut Catboy. Allez, Nightmare, faut que tu avances, sinon je peux pas y aller. Nightmare! J'ai envoyé balbinguer ma manette. L'épée entre en symbiose avec la graine. Oh Dieu. Voilà, fin. Oh oui, j'aime toucher la graine. Y'a rien d'autre? Bon. Faut juste qu'on sorte et voir ce que ça a donné une fois qu'on a restauré la zone. Logique, ça a dû régler les problèmes. Déjà, il n'y a plus d'ennemis, donc ça c'est cool. Et le fouet! Donc il devrait y avoir de l'eau dans le désert maintenant. Si Nightmare arrive à utiliser son fouet. Hey, obéis! Avance! Attends deux secondes. Ah non, je croyais qu'on pouvait passer en dessous. Il a quoi ton chat Orion? Orion TV? Faut pas que je dise Orion parce que les gens vont croire sinon que tu es la personne qui a développé le site. C'est-à-dire que pas du tout, tu as juste le même pseudo. C'est dans la même veine que. Ils s'appellent tous les deux Orion. Donc... Non, je veux dire, c'est pas des pseudos uniques. Oui. J'en connais un rayon, merde, on s'est encore gouré. Je disais donc, j'en connais un rayon. Ah, la musique toute douce. Il va presque m'endormir. Donc on va retourner au village là je pense. On va voir ce qui se lit. Est-ce qu'on a réussi notre mission ou non? Oui, le vrai Orion, il a Le M de modérateur, le déjà. M de modérateur dessus. Voilà. Faut aller voir le maire, je pense. Une Moi, je préfère cystite, le lui, chat. mais. Hein? Enfin, faut Quoi? aller voir le maire. Le maire. Voilà, le Lui, le maire. maire. Eh, ta mère! La graine n'a pas ramené l'eau. Peut-être que le pouvoir de mana s'est trop affaibli. Il paraît qu'une queue de lièvre marin permet de ramener l'eau au puits sec. Si seulement on savait où trouver ça. Hey Nightmare! Baisse ton slip! Pardon. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pourra nous aider dans ce village. Ah bon? La femme qu'ils avaient déjà parlé du village. D'abord le forgeron. Quelle chaleur! Je me sens lourd. Peut-être que lui il nous en rendrait. Hein. Je vous attendais. Une arme à me faire forger? Déjà, on va pouvoir forger les. Le. Ah non, on a trois trucs à faire forger. On a même quatre. On a la hache aussi. Et le boomerang et la lance. Bah, c'est très bien. Oh, le boomerang il a une forme bizarre maintenant. En fait, il s'est transformé en chakram. Et donc Soleil voilà. levant. Ça, c'est du nom, ça. Attends, je change juste d'arme. Non, je joue le nain, moi. Je suis con. Que Là, cette fais-tu? femme-là. Hein? Madame! Madame! Pourquoi une autre pays? Je me demande si je vais pas déménager vers l'Empire, moi aussi. Il paraît que les frères Canon peuvent vous envoyer là-bas maintenant. Je suis sûr que c'est pour les espions.
Donc on doit aller à l'Empire? Bah ouais. D'accord. Non, le canon est au-dessus. Ah, Nightmare, Nightmare. Juste comme ça, est-ce que ça serait pas bien de faire des achats là, vu qu'on a acheté des trucs de mana, tout ça? Ouais, peut-être. Peut-être acheter une noix, parce que voilà. D'accord. Il est où le marchand? Il est à droite. Il est là. Ils sont tous habillés en marchand, c'est pas drôle. Maintenant, je crois que je vois un désert, ça me rappelle celui de Tales of Vesperia. Je sais pas pourquoi. Ok, on avait utilisé plus qu'une noix, semblerait. Mm. Tout pour ressusciter, peut-être. Mais c'est ce que je comptais faire. C'est bon, on est full. Vas-y, let's go. C'est moi qui lui parle. Vas-y. Bonjour là, petit voyage. Où tu veux aller? Empire. Ça ne va faire qu'empirer. Cette blague n'était pas validée. Je l'ai tellement fait rire qu'il en a toussé. Ouais. J'en ai témoin. Ou pas du tout. Et donc, hier sur le live de Mario Kart sur Super NES, on parlait du mode 7, et ben là, c'est en mode 7 aussi, sur cette interface de map. Y a pas de musique. Ah si, maintenant. Oh, nouvelle zone. J'ai oublié qu'on avait jamais été à l'Empire. Et on peut dire en tout cas que l'herbe est plus verte ailleurs. Mm. Oh, le petit nez, il sait pas courir, quoi. Plus il sait pas marcher aussi. Tu vois, je suis en train d'actualiser mon GPS. Ah, tout s'explique. Malheureusement, je ne sais pas être focus sur deux trucs en même temps. Y a pas un... C'est pas là, un marchand, là. C'est un marchand, je pense, ouais. Ah non, une auberge. Sans luxe, c'est cher. Bon, on va sauvegarder. C'est cher. Oui, bon, on est riche, mais c'est plus cher que les autres, il me semble. Je crois que la dernière, c'était 50. Ouais. Cher. Tant, le mec, c'est Crésus, mais non, il trouve pourquoi ça cher. Pourquoi tu vas là? Il y avait écrit que c'était un marchand aussi. Ah, d'accord. Je suis désolé, là, je sens que je vais être pas mal toussé. J'ai la gorge qui commence à me relancer. ouais, c'est cher quand même. Non, non, c'est surtout que c'est rose. Ouais, bon, mais 4500, c'est énorme. Tu vas porter une armure rose. Désolé. Un casque vert, quoi. Ça, c'est que pour moi et moi. D'accord. Il y a rien pour moi. Pas en casque, moi. C'est des wassistes. Alors. Donc, on a perdu Nightmare. Non. Est-ce qu'on pense... Vous pensez que vous m'avez perdu? Donc, je pense que le live va durer jusqu'à 22h30 dans ces eaux-là. Donc, ça sera 1h30 de live pour se rattraper du précédent live, vu que ça avait bugué, il y avait des lags et tout. Je trouvais d'où venait le problème. Donc, ça venait du téléphone, fallait que je le restaure tout simplement. Voilà, tu peux t'équiper. Et maintenant, ça fonctionne mieux, comme vous pouvez le remarquer. Pourquoi t'es descendu alors que je veux vendre les anciens? Je sais pas, écoute. Hein, j'ai pas de cerveau. Snappy, il enlève son casque pour en mettre un autre qui est le même mais qui a appartenu à un autre perso. Il a voulu mettre le casque de la fille pour son odeur. Quoi?
T'as pris ton. En fait, t'as. Toi, t'as... Ah oui, effectivement. T'as pris le casque et t'as remis le fan. J'ai pas fait bien. Merde. Sauf que. Effectivement, c'est un peu bizarre. Donc en fait, il a le parfum de la fille. Oh. Merde, je voulais pas acheter, je voulais vendre. Qui dit que c'est la fille, ça se trouve c'est celui du gnome que j'ai mis. Ah peut-être. Tu sais pas. Ce sera encore plus glauque. Surtout qu'on ne sait pas ce que le gnome a fait avec. Mais n'oublions pas qu'on est les esclaves du gnome. Exactement. Ah là là, franchement, est-ce que c'était vraiment nécessaire de les vendre les équipements? Oui, c'était nécessaire. On est tellement riche, quoi. Ils vendent pas des gelées, par hasard? Non, ils vendent pas des gelées. J'ai l'impression qu'il y a que le chat qui vend les gelées. Peut-être. Non, pas toi, Catboy. Bah, on doit aller où, maintenant? Alors... Regardons la Solus. C'est pas la Solus? Ouais, le GPS. Allez-vous-en! Non, j'ai pas envie de m'en aller. T'as fait une voix? Ouais, vite fait. Entre vous et moi, je ne comprends pas ce que l'empereur a derrière la tête ces temps-ci. Il a renforcé l'armée avec des lourds impôts. Tout ça sous prétexte de domination du monde. On a raconté même qu'il a bâti l'armée des démons. Son palais serait déjà rempli de monstres. C'est une chèvre. Je sais pas. Pourquoi on remonte là? Je sais pas. Sur le coup, ça m'a paru être une bonne idée. Oh là. Elle m'a l'air bizarre, elle. Ou lui. C'est elle. Bon bah. Je sais qui vous. Je sais qui vous êtes. Pardon? Des amis de Galmar, pas vrai? Moi, je suis espionne pour le comte de Tabastica. Mon mari était aussi avant moi, mais pendant une mission, alors qu'il s'enfuyait après avoir dérobé un secret, l'Empire l'a abattu. J'ai décidé de le venger, alors je poursuis son combat. Je surveille ce qui se passe dans cette ville et j'en informe ensuite Tasmanica. À l'est de la ville, il y a l'entrée des égouts. C'est un passage secret, mais dans Septentrion, seule la résistance la connaît. Le garde vous laissera passer si vous lui donnez le mot de passe. 6, 3, 4. Ok. Parce que c'est bien connu. 6 plus 3 égale 4. Donc c'est le garde qui nous a dit tout à l'heure, allez-vous-en. Sûrement. Donnez-moi le mot de passe. Alors, 6, 3 et 8. Ça me rappelle les techniques anti-piratage que vous pouvez avoir sur les anciens jeux. C'est bon, vous pouvez passer. Le retour des poissons. On est dans les égouts. C'est tellement original, quoi. Et j'avoue que là, pour le moment, les musiques du jeu sont assez souvent les mêmes, en fait. J'avais oublié... Voilà, c'est des musiques qu'on a déjà entendues. Je peux plus bouger, je suis refroidi. Snipey, c'est... Monsieur, mais on s'occupe pas des monstres, mais il les frappe tout le temps, quoi. C'est contre... C'est... Je peux pas lutter contre ma nature. Et j'ai comme une impression de déjà-vu. Je crois qu'on est déjà venu ici. Non, c'est bon. Ah.
Allez, on fonce. Non, il y a une IA un peu con. Allez, l'IA, tu peux y arriver. Mon nightmare a pris les choses en main. Oh mon dieu, je vous jure. Je sais même pas où on va, hein, je t'avoue, là, on avance tout totalement au hasard. C'est ce qui s'appelle un labyrinthe. Car heureusement, il y a un escalier. Oh là. Qui va là? Des espions de l'Empire. Non, non, c'est toi. Non, non, 6-3-4, 6-3-4. Oh, c'est toi dont Genma parlait. Tu as l'épée de mana? Bienvenue au quartier général de la Résistance. Je suis Filou. Enchanté. Elle se la joue, celle-là. Ah, c'est une femme en plus. Ok, d'accord. Mais je crois que c'était la voix... C'était pas la voix de du personnage de notre équipe. C'est... Non, mais en fait, la personne en face de toi, c'est une femme. Ah oui, d'accord. T'es jalouse. Ça va pas à la tête. Il n'y a que Durak dans mon cœur. Quoi? 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 Tu connais Durak? Bien sûr, pourquoi? À l'est de cette ville se trouve d'anciennes ruines. Il paraît qu'un homme appelé Durak draine l'énergie des gens là-bas. Comme à Pandora, comme à Pandora! Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Il est sûrement manipulé par quelqu'un, non? Nous allons enquêter de notre côté. De notre côté, et en fait, on démarre le protocole de mouvement aléatoire. Ouais, c'est ça! Bon, bah, du coup, on doit aller à l'est de la ville. Mais y a-t-il un raccourci pour sortir de la ville directement au lieu de refaire tout le chemin dans les égouts? Je crois qu'en sortant de la maison, ça irait si on trouve la sortie de la maison. J'ai vu Chris pleurer quand elle était toute seule. On s'en fout. Ah, bah, d'accord. Ok. Marchand! Bien sûr, c'est l'icône de l'auberge, ça. Ah non, t'avais raison. Ils sont sérieux. Are you fucking serious? Putain, 6300. Are you fucking serious? Oh merde. Vous nous faites casquer la ville d'avant pour que une ville après... Ah, bordel. Un bikini. Comment dire? Why not, hein, écoute. C'est pour la tête. Ah bah là, clairement, Catboy, ce que a fait Nightmare... nous sert aussi pour nous équiper et pas que pour être à un niveau assez élevé. Ouais, c'est pas moi qui mets le bikini. Hein. Là, je suis juste dégoûté, là. Bad Boy, lui, ça l'étonne pas. Ah non, mais je m'en fous, moi, c'est le fait que... Merde, je sais pas pourquoi... T'es en train de faire le con, là, ouais. Il a pas pris en compte certains équipements. Ça, il l'a pris en compte. Ça aussi, c'est bon. Tu peux t'équiper. Ouais. Non, c'est le fait de nous faire casquer la ville d'avant, puis nous refaire casquer, quoi. Alors que bon... Il y avait rien d'extraordinaire dans le souterrain, quoi. Et voilà, c'est bon. Plus qu'à tout revendre. Oh, quoi, là? Nightmare est dégoûté.
Tu vas prendre les merdes que ton voisin m'a fait acheter là. Et plus vite que ça, et content. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y a pas un skin pour les armures, quoi. Ouais. Surtout qu'il y a vraiment plein de trucs différents. Ça aurait été drôle de voir nos persos en cuir, 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 moustache, cuir. D'ailleurs, il y a un jeu, je sais plus comment ça s'appelle, qui vient de sortir sur Android et iOS. C'est Off Mana, c'est un truc, c'est un jeu dans la lignée des Secret of Mana, etc. Et graphiquement, il a l'air vide, quoi, comparé à Secret of Mana. Ça fait un peu peur, quoi, mais bon. En plus, ils vendent pas, enfin, ils vendent pas grand non plus. Peut-être à l'essayer s'il est bien émulé, le petit jeu Android là dont je vous parlais, peut-être l'essayer un de ces jours. Pourquoi pas. Mais graphiquement, ça me paraissait très pauvre. Go Nightmare. Ben c'est toi, enfin. Ben moi le gnome. Hein. Problème de synchro quoi. Non, là, c'est bon. Je te suis, hein. Je sais pas où tu vas. Je cherche la sortie. Là. Ce chemin mène au palais de Sa Majesté l'Empereur. N'entrez que si vous y avez audience. On a audience. Tu m'as fait entrer dans le... Oh! What? Nouveaux ennemis. Attends, je vais leur faire... Je vais leur faire connaître quelque chose à leurs ennemis, là. Kenzan. Vous avez déjà connu le fait d'être scié en deux? Moi, je vais vous raconter une blague, ça va vous? Scié en deux! C'était nul. En plus, on peut même pas passer, quoi. Ouais, j'ai monté de niveau. Ouais. On se casse. On peut y aller, c'est bon. Ouais. Apparemment t'as choqué Arcane là, je sais pas pourquoi. Oui, Arcane. Ça me rappelle un endroit ici, non? Eh, cette fille me dit quelque chose. Oh, moi aussi. Tu vas bien? Pas la fille qui parlait pas. Ah bah tiens. Lâche-moi! Lâche-moi! Je ne rentrerai pas. J'ai décidé de vivre ici, avec Durak. Tu n'avais qu'à pas parler tout le temps de lui devant moi. C'est de ta faute, tout ça. Déjà, on est là, enfin. Ça t'apprendra. Oh, la claque dans sa gueule. Ah non, non, c'est pas... C'est d'accord, c'est les... C'est les... Oui. Qui en a mis une droite. Ouais, ouais. Je ne voulais pas... Une droite au niveau 71. Emmenons-la chez Chris pour le moment. Courage. Courage, Léa. Le nain qui change 36 000 fois en un seul épisode, quoi. Filou, tout va bien? Chris, nous voudrions que tu viennes en aide à cette jeune fille. C'est une amie à nous. Je vois. Je connais un docteur qui pourra les examiner. Laissez-moi faire. Merci, Chris. Ah, ne t'en fais pas. Et Durak a besoin de toi. Ne te décourage pas. Parce que l'amour triomphera. En fait, tu vois ma cam ou toi, pas toi? Je la vois quand je regarde le chat en même temps.
crois, la musique de la décadence, quoi. Tous ceux qui connaissent Dragon Ball ont dû reconnaître ce que je viens de faire. Bah oui, grâce à Yaman. Tu t'as pris pour qui? Oh, je ne sais pas. Barrons-nous. C'est une musique digne des creepypasta que tu peux trouver sur internet, hein, l'air là. Ouais. Ça me rappelle l'avant-ville. Je crois que... J'allais dire, ça fait du bien quand ça s'arrête, mais ça a repris tout de suite. Je crois que Catboy a tapé sa tête contre son bureau. Attends, il y a... Ah, il y a une porte en haut. Il y a des pics, on peut pas y aller. Fais de la magie, là. Je suis en mog, donc faut attendre. J'ai calé. Redémarrage du système en cours. Night.exe. Ah, le cul-de-sac. Bien pourri. Bon, au moins, ça a fait disparaître l'ennemi. J'aimerais bien qu'on ne s'occupe pas des zombies qui sont en train de danser Thriller. Mais c'est de là où on vient, non? Tu crois? Je sais plus. Cette musique me perturbe. Je crois pas, moi. Non, on n'est pas bien. Il y a un bouton. Vous entendez un bruit au loin. Je pense que c'est là où il y avait le cul-de-sac. Ça a dû débloquer un truc ici. On est tellement en mode rush là. Ah non, ça va être en bas à droite. À droite. On a débloqué un truc ici. Mais c'est quoi ce château? Je sais pas. Mais on va y arriver, Nightmare. Donjon de l'infini. Allez, viens là, la fille. Hein. on bourrine vers le bas pour qu'elle vienne, quoi. Saloperie de mur invisible! Tu comprends vite quand c'est moi qui contrôle le garçon. Oui. Pas. Oui. Boss fight. Je pense qu'on... crois? Non. Non. Après, je sais pas combien de temps de jeu il nous reste à faire avant de terminer le jeu, mais je trouve qu'on avance plutôt bien ces derniers lives là. À chaque fois on fait des petites sessions, mais on fait un donjon par live pratiquement. Ils sont sérieux? Ouais, ils nous ont remis le boss qu'on a déjà vaincu. C'est la terre, je crois. Non, mais ça se trouve, lui, c'est pas le même. C'est un autre, mais on n'a pas. D'accord. Bon. Nightmare est en mode magie. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Hein. Voilà. Oui, on en a déjà battu un qui nous a même tué. La magie de l'infini.
Ouais, je dis heureusement qu'on a beaucoup de mana. En fin de compte, le boss c'est facile quoi, c'est juste assez long. Ça va me permettre de monter la magie au moins. C'est pas faux. Regarde, on a tellement fait bugger l'interface. Ouais, c'est ça. C'est depuis tout à l'heure, ça se passe comme ça en fait. Mm. C'est ça que je te disais tout à l'heure, on a aucun, l'interface a bug. Il me semble que ça arrive même sur le vrai jeu. Paf, paf. Une sphère de fouet, ça c'est cool pour toi. Le donjon est pas fini ? Ah. Durak ! Leia, tu m'as manqué. Je t'attendais. Je le sens arriver là, le truc du genre. Ouais, en fait, je t'ai jamais aimé. Oh, moi aussi, je suis si contente que tu ailles bien. What? Qu'est-ce qu'il est en train... Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? J'aime ça. Vas-y, on te bien. Rends-nous Léa tout de suite! Où est-ce que tu l'as envoyé? J'ai besoin d'elle pour me récurer les ongles! Je l'ai envoyé au seigneur Thanatos, elle va être sacrifiée! J'avais besoin d'une vierge. Nous avons besoin du sang d'une jeune fille. Vierge. Ormure! Leia était morte d'inquiétude pour toi. Comment peux-tu lui faire ça? Lui faire quoi? J'ai rien fait. Elle t'aime, tu dois le savoir, même si on te manipule, tu ne t'en tireras pas comme ça. C'est ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau. Mm. Ah Léa, non, Léa, non. Merci, j'ai repris mes esprits. Bouge pas, garde tes forces. Je vous en prie, aidez-le là. La salle derrière cet hôtel, vite. Allez. On n'a pas le temps de glander. Avec la musique épique. Leia. Vous allez rester là bien sagement. L'énergie vitale de cette fille est exceptionnelle. Mais que tu sus. Dragon sacré. Je t'invoque. Où suis-je? Ah, qu'est-ce qui vous arrive? Ça y est, je peux bouger. Je vois, Durak lui a transmis son énergie. Et Cyric. Et décidément, ce jeune homme pourrait m'être très utile. Sur ce, je vous laisse. Vampire, occupe-toi d'eux. What? Mais elle a l'air toute mignonne, cette chauve-souris. Ah, t'as plus de mana. Vous n'avez plus de mana. Je crois que la voiture, elle va plus avancer, chef. Attends, on met du fuel. C'est que 50, c'est pas énorme. Alors, allez. Ouais, le vent. Je pense que c'est une bonne idée. Yenzen. Ah putain, j'ai du mal à le bouger au corps à corps lui. À le bouger, à le toucher. À le toucher, hein. Ouais.
Alors, oh. Par contre, j'ai fait mal. Je glande vraiment rien, quoi. Bah, toi, tu spams les magies, en fait. Hein. C'est tellement OP, les magies, dans le jeu, en même temps. Attends, on a un petit problème. Ouais. Ah, c'est bon, je me suis debout. Merde, il est en dessous. Il te faut plus de mana. Les gens, ils vont me détester à force. Mais non. Tu fais en sorte que le combat soit plus court. Puis franchement, ceux qui aimeraient pas que tu spammes les magies, c'est des gens qui ont pas joué au jeu. Parce que concrètement, quand tu joues au jeu, tu fais que ça aussi en vérité. Oh, tu m'aimes. T'as une magie qui a monté de niveau. Ah ouais. Bourras is dead. Travail terminé. Et bravo, vous avez obtenu une sphère de boomerang. Ça tombe bien, on l'utilise pas. Non, Cyril, pas à WoW, à Warcraft. Oui. S'il te plaît. Me fais pas avoir une crise cardiaque avant l'heure. Où est Durak ? Durak ! Durak ! Il aurait pu dire pire, hein. Petite référence à Hearthstone. Léa, Léa, ça va? Ça va aller, tant qu'il a envie. J'ai une chance de le revoir, je dois y croire. Bon, il l'a quand même tué, parce que elle était morte. L'icône qu'on a vue, la manière dont elle était morte, elle a été ressuscitée par le boulet cristal. Quoi. Elle était morte et vous l'avez tuée. Non, pas Osef. Bah, quand il dit Kamehameha, t'as plus tendance à penser Dragon Ball Z que Dragon Ball, et pourtant. Et pourtant. Ah non, moi j'ai vraiment dit Dragon Ball, je dis pas le Z. Ouais. Enfin bon, Osef. Franchement. Non, Osef pas. Bah, j'avoue, c'est vrai qu'il marque un point. Le monde de Warcraft, c'est Warcraft. Et World of Warcraft, voilà. Même si on sait que t'as pas voulu dire ça à la base. J'avoue. Non, c'est pas là, mec. C'est le bouton, ça. Ouais. Du coup, la sortie, elle est en haut. Ouais, c'est là, faut prendre ça. Là, la musique... La musique est encore là. Ouais. La musique qui fait chier dans mes oreilles. Cette musique fait chier. Cette musique fait chier. Où est-ce qu'on est là? Un endroit qu'on n'a pas été. Moi j'ai envie de dire, il est chiant. Est-ce que c'est par là? On pourra dire que tu auras marqué les esprits avec cette musique, hein. Ouais. Une musique de Ghost in the Shell. J'en ai aucune idée. Ah, ça doit être une sphère là-dedans. Donc le coffre est encore là. Une sphère d'épée, moi je dis pas, non. Bah elle est où la sortie? Comment on est rentré ici? Je crois que c'est par là. Ah, bien vu. Bien vu, l'autiste. Je veux sortir d'ici. J'en ai marre de cette musique.
Ça va me rendre dingue. Oui. En plus, il n'y a même plus d'ennemis, quoi. Et on arrive à être paumé. Wait, je suis déjà dingue. C'est pas faux. Non, mais on va y arriver. C'est par où? Non. Non, on se sépare pas. On n'est pas venu là. Là, tu crois? Bah, là, c'est là où il y avait la pièce avec les bureaux, là. Imagine, la sortie, elle est là où il y avait le boss. Parce que ils nous ont remis sur l'hôtel directement. On avait été ici. Me file pas de bad trip non plus. Non, je crois que c'est bon. On va y arriver. Donc il reste à peu près 20 minutes de live, voire une demi-heure. Oui, 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 le ciel. En liberté. Non, moi, c'est mes oreilles que je veux libérer. Ah, c'est fini. Ah, c'est plus agréable. Donc on va aller voir les rebelles. Ils sont au café. Qui sont là. Non, c'est l'autre à côté. Non, c'est l'autre en dessous. Non, c'est pas celui-là. Où est-ce que c'est? Mais c'est commence à avoir du monde hein, sur le chat. Effectivement, il y a Albi qui vient d'arriver. Il va sûrement nous saluer d'ici quelques secondes. Je veux bien qu'on aille à l'auberge pour sauvegarder et recharger le mana. Ok. Salut Albi. Welcome Albi. On est décalé dans les lits. Les rebelles, ils sont peut-être sur hot. Attends, j'espère que ça va pas faire bugger. Non, Ok. Attends, il y a un escalier là. Ah, attends, allez voir. Je vais peut-être devoir acheter d'autres équipements encore. Oh! Un forgeron. Vas-y, je te laisse forger les trucs. Et j'ai entendu que t'as reçu un SMS. Ouais. Ah, c'est Amazon qui me prévient que j'ai été livré, mais je le sais. Merci Amazon. Wait, le boomerang est redevenu un bête boomerang. L'arc, il n'est pas forgé? Je ne pense pas. On a reçu une sphère d'arc, tu crois? Bien vu la blague. Du niveau de Snipey comme blague, ça? Quelle blague? J'ai pas fait de blague. Je crois qu'il parlait de la blague d'Arcane. Ah, d'accord. Ok. Ah, il est là, le café. Ma poupée gonflable, non. Qu'y a-t-il? Je vois. Alors, du rack. Et il est disponible! Ne perds pas espoir. Nous avons appris que Thanatos était mêlé à tout ça, mais nous avons devancé. Mais l'empereur a subitement demandé des pourparlers. Il veut que l'Empire redevienne pacifique et nous invite au palais, se disant prêt à cesser les hostilités. Peut-on lui faire confiance? Je comprendrai! Je comprends que tu aies du mal à croire ceux qui ont tué ton père. Oh, le tact! On t'a tué ton père. Peut-être que notre démonisation a réussi à lui faire changer d'avis. Oh la paix, c'est tout ce que nous voulons, hein. Après tout, on peut tout essayer. D'accord, allons-y, avec vous. Si tu rentres et que la forteresse est arrêtée, votre périple prendra fin. Rejoignez-nous là-bas. Donc là, on doit aller en haut, là où on avait été tout à l'heure et on n'a pas pu avancer. Les soldats nous ont attaqué en mode what the fuck. Ouais. Et donc, normalement, j'ai une nouvelle épée. Bah, ah non, même pas. T'as pas forgé mon épée? Si, si, mais elle est restée jaune. Là, il n'y a plus d'ennemis, bizarrement.
Donc je pense que le live se terminera après ce donjon. Et je crois que ce sera même pas vraiment un donjon parce qu'ils ont un peu l'air de nous montrer le chemin. Quoi. Ouais. Tiens, mais où sont les membres de la résistance? En fait, on lui a amené l'épée. Comment le Eh, mais c'est Thanatos, je suis sûr. Cette journée t'a marqué d'une pierre blanche. Je vais me débarrasser à la fois de la résistance et à la fois du héros à l'épée sacrée. Tenez-vous tranquille. Mais c'est un piège. Bien vu, Captain Obvious. Mon dieu, mais on est en prison. Tenez-vous tranquille. Vous tenez tant que ça à sortir. Très bien. What? C'est un rebelle. Et libère aussi les autres. Ne soyez pas si pressés, chacun son tour, à vous l'honneur. Ah, une arène. Il doit y avoir un boss fight. Oh, il me rappelle le tout premier boss. Quand je jouais tout seul et que Nightmare n'était pas encore là. Ça veut dire quoi, ça? Rien. Ah, il a l'air d'être en métal. Je m'embrasse. Enfin, m'embrase. Parce que je m'embrasse, c'est un peu spécial quand même. Knappy, en fait, il est amoureux de lui-même. Voilà. Oh, diamant niveau 6, le mec, comme ça. Vous voyez, mon perso, il avait la tête à l'envers, hein. Allez, j'ai tenté une autre magie. Kianzen! J'ai un peu mieux. Déjà? Pourquoi pas? C'était un peu facile, hein. Ah non, le jeu vieillit pas. Mis à part, c'est surtout l'IA de l'allié qui, elle, est vraiment chiante. Mais mis à part ça, le jeu est génial. Sinon, je le ferais pas. Ils auraient pu mettre un truc avec le fouet, là. Tu vas aller où? En haut? Il y a un coffre. Je sais pas de quoi vous parlez, Catboy et Arcane. Je peux pas cliquer sur le lien là. Je crois que c'est une pompée gonflable. D'accord. Oh, tu t'as de morve! On vous libère! Bien joué! Beau travail! Merci! Les soldats vont partir chercher des renforts et vont venir à notre poursuite! Séparons-nous et fuyons! Alors, il ne faut jamais se séparer. C'est si dur à comprendre. Bon, bah on se casse. Il y a un bouton là, ça m'intrigue. Oui, on peut pas passer. Attends, là, on peut pas... Bah où? Ah mais non. N'empêche, il y a des tas de morves. Ouais, ils ont copié Pokémon. Est-ce qu'on doit essayer d'aller retrouver le roi? Ah non, c'était à droite qu'il fallait aller. Ouais, je pense. Mais le roi, ouais, je suis sûr que c'était Thanatos. Mais c'est pas impossible. Parce qu'il avait des cornes sur la tête et tout ça. Ralia, quoi.
Ah, il est plus au même endroit. Faut peut-être aller ailleurs. Sont dans la salle du trône, je pense. Et pas la salle où on va aux toilettes, hein. Rien à voir. Quand on rush tellement. À la foutre. On fait du speedrun, nous. Je crois que c'est... C'est de l'autre côté. Ah oui, effectivement. Non, on passe, on est des bourrins. What? Ok, par ici. D'accord, oh putain, il y a des téléporteurs et tout. Oh, ça va être chiant. De quoi? Pourquoi tu retournes? On est éjecté. Peut-être le tuer. Faut peut-être juste sortir. Hein. Attends. Moi, je suspecte qu'il faut sortir. Ah. Le téléporteur ne fonctionne pas à l'arrière. Qu'est-ce qu'il faut faire? What? T'es passé en courant? Même pas. Ah, je vous vois que vous avez sous-estimé le héros à l'épée sacrée. C'est à toi d'appuyer. Pas étonnant que vous ayez donné le fil à retordre à Gestal et à Thanatos. Majesté, donnez-moi une autre chance. Fort bien, soutien. Nous partons pour les temples de Mana, ne tarde pas trop. Compris, Majesté. Je vais enfin laver l'affront que vous m'avez fait subir, vous allez le regretter. Oh, il est chiant ce boss. Ouais, il a juste remonté sur sa moto en gros. Ouais. Mais j'ai pas des bons souvenirs de ce boss, je sais pas pourquoi. Mais bon, avec Nightmare, ça va être plus facile. Regarde, il va rien comprendre à ce qu'il y arrive, le boss. Enfin, s'il veut bien... Voilà. En faisant du 10 de dégâts, il a de l'espoir quand même. Faudrait essayer que je l'ai dans mon champ de vision, en fait. Ouais. Évidemment. C'est qui le chope? En plus, hein, il se soigne. Allez, tu peux l'avoir. Je crois qu'il est mort. Ouais. Ah, qui a monté de niveau? On ne le saura jamais. J'aime bien l'explosion, on la voit même pas, quoi. Non! Ça me rappelle ton vaisseau dans l'île Atwars. Un peu. Malédiction! Puisque c'est comme ça, vous plongerez avec moi dans les flammes de l'enfer! Alias Ganondorf. Cette fois, c'est la fin. Mais non, c'est pas la fin. Parce que rappelez-vous, quel est ce bruit? Nous avions sauvé un bébé dragon à une époque. Mais ce bébé a grandi depuis. Et cette voix, c'est le roi Truffaut. What? Normalement, il y a le bébé dragon, il vient nous sauver. Ah oui, c'est ça, il est là. J'arrive juste à temps. Juste à temps, pas vrai? Comment je fais?
C'est grâce à Flammy. Il a grandi d'un coup et il vole maintenant. Il s'est dirigé sans crier gare, alors que je le montais. Il voulait sûrement vous revoir. C'est un grand enfant et il vous considère comme ses parents. Prenez ça, ce tambour est son jouet préféré. Si vous l'utilisez, Flamir accourra où que vous soyez. Bref, il est temps de quitter cet endroit. Ah, et j'aimerais que vous me rameniez à Matango. C'est au sud-ouest d'ici. Et donc, voilà, on va pouvoir maintenant se déplacer librement partout où on le souhaite, sur la map. Et ça, ça a de la gueule. Et Nightmare, il me semble que c'est toi qui dirige le truc. Effectivement. Ouais. Donc elle a dit au sud-ouest, c'est ça? Ouais. Et ça, à l'époque, c'était un truc de ouf, quoi. C'était malade. La NES l'avait fait aussi, hein, avec Final Fantasy 1. Ouais, mais... Enfin, ça reste impressionnant, quoi. Tu t'y attends pas. En plus, on peut se dire où on atterrit, hein. Et surtout le fait que tu peux atterrir dans, où tu veux, quoi. Ouais, aussi. Alors, vous aimez monter sur le dos de Flammy? Grâce à son instinct, vous retrouverez toujours votre chemin dans les airs. Utilisez le bouton Start pour afficher la carte du monde. C'est hors RP, ça, monsieur. Au sud-ouest d'ici se trouvent les montagnes de la Sierra. C'est votre destination. J'ai élevé Flammy comme mon propre enfant et il me manque. Revenez me rendre visite de temps en temps. Non, surtout ici, la plus grosse évolution, je trouve, par rapport à Final Fantasy, c'est le fait que tu peux te poser n'importe où, en fait. Ouais. On peut pas l'utiliser directement ici, hein. Si, tu peux utiliser Flammy, là. Je crois qu'il faut utiliser un objet. Il a dit Start. Moi, j'ai beau appuyer sur Start. Il se passe rien. Peut-être dans le menu Objet, comme il a dit. Là, le tambour. Oui, c'est ça. Ce zoom, quand même. T'as l'impression qu'il va te bourrer dedans. Je trouve que ça reste stylé. Ah, c'est moi qui le contrôle. Quoi. Merde. Alors, comment ça marche? Bonne soirée, Arkane. Bye, Arkane, et à plus tard. Au sud-ouest. Ok, au sud-ouest. Allons-y! Stop! Dans les montagnes. Ouais, c'est un petit trou dans là, tu vois. Soit c'est là, soit c'est à côté. Arrête-toi sur la maison, peut-être. Donc on peut retourner dans le village où on a été banni avec ça? Non. Ça marche pas. Ah tu peux pas atterrir au plein milieu du village et... Non. Ce village célèbre pour son sanctuaire ancestral. Par contre, ouais, c'est vrai que là, on pourrait continuer, mais je pense qu'on va sauvegarder, on va s'arrêter à une auberge. Il y a une auberge dans ce village, on est d'accord. Oui, mais je veux dire, ça, c'est le marchand. Oui. C'est ici, l'auberge. Et on va sauvegarder ici, on va arrêter là pour ce soir. Ça fera 1h30 de live, pratiquement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est bien amusés, on a bien avancé dans le jeu. Je pense qu'on a fait plus de la moitié du jeu maintenant qu'on a le dragon. Concrètement... On est pas si loin de la fin, il me semble. Je sais pas si tu peux me confirmer ça, Nightmare, mais normalement... Attends, je regarde ça. Alors... pour moi, on est à peu près au début de la... Non, ouais, on est on a la moitié à peu près. Ok. Donc voilà, moitié du jeu, donc c'est... On avance bien, on avance à un bon rythme. Un peu plus qu'à la moitié. Voilà, malgré le fait que on stream pas dessus sur ce jeu-là tous les jours. On avance correctement, c'est plutôt cool. Donc Nightmare, je te laisse dire tes derniers mots sur ce live, et ensuite... Bof. Voilà. Allez, au revoir Nightmare. Et je vous dis à tous à bientôt pour un autre live. Demain, je ne sais pas s'il y aura un live, mais s'il y en a un, ce sera sur Life is Strange, je pense. On verra bien si je suis crevé de ma journée de taf ou non. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne nuit, et puis je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Comme d'habitude, les réseaux sociaux sont là pour vous tenir informés. Donc, gros bisous à vous, et à très vite. Ciao !